C'est mes nouvelles Bumo Soft Panier. Ça s'appelle Extremada Soft Panier. La compagnie Bumo, exactement la même compagnie que, que le Top Case ou que les autres Hard Case que j'ai en aluminium. C'est sensiblement la même volume. Il y a un petit peu moins de volume à l'intérieur, mais il y a deux emplacements pour des poches externes. En général, ben, pour les bouteilles d'eau, là. Des bouteilles d'un litre ou un litre et demi, là. C'est vraiment bien fait. Ça s'attache exactement comme ceux d'aluminium avec le système Quick Release ici. Là, en ce moment, ils sont barrés, mais c'est exactement pareil. C'est un système qui permet d'ôter les valises juste en ôtant le lock, en débarrant. C'est complètement en aluminium, le système. Vraiment content, beaucoup plus léger que les autres. Et c'est sûr que c'est un peu moins large par rapport qu'on peut les compresser si on ne s'en sert pas comme en ce moment. Ils sont légèrement compressés. Et l'avantage, c'est qu'en faisant du hors-route, quand on dérape et on se retrouve sur le côté, ben, ça s'abîme beaucoup moins que les valises d'aluminium. Fait que si j'aurais deux mains, quoi que je peux le faire avec juste une, je vais ôter le lock. Ça, on l'ouvre, prend la poignée, on tire. Et c'est complètement, c'est déjà dégagé. Pour la remettre, c'est pas trop compliqué. On enfonce, on tape dans le fond, on referme. Et là, on peut fermer avec la clé. Ouverture. Même chose. Il y a un dry bag à l'intérieur. C'est complètement hydrofuge. C'est dur à voir un peu, là, mais tout le renfort est aussi en aluminium. De ce côté-là, c'est renforcé. Fait que pour le fermer, ben, c'est pas compliqué. Il y a un velcro ici en haut. Avec une main, c'est vraiment pas évident. Mais le principe, c'est ça. On ferme les boucles. Puis, that's it. Je vais essayer la contenance. J'ai des bouteilles d'un litre. Ça m'a l'air de rentrer facilement. Ça se clippe sur les côtés, là. Ça va pas clipper, là, mais ça se resserre sur les côtés.